ignorais complètement ce qu'il y avait dans ces caisses. Je suis innocent. Vous faisiez passer des artefacts ici en contrebande, capitaine. Ça va, je laisse tomber les artefacts. Mais mon vaisseau, vous avez pas le droit. Regarde devant toi. Je passe juste vos troupes en vue, caporal. Satil, qu'est-ce qu'il y a? Je sens... une présence obscure. Ce sont les Sith de l'Empire, ils reviennent. Il faut alerter la République. Nos navettes ne peuvent rien contre ces chasseurs. Quelle coïncidence. Devinez qui a le vaisseau le plus rapide du secteur. Brèche dans les défenses de la station. À tout l'équipage, évacuez. Attention. Est-ce qu'il vole? Je sais, on dirait pas, mais il en a dans le ventre. Préparez votre vaisseau, capitaine. C'est l'heure de se battre. T7, prépare le canon ionique. Satil, c'est maintenant que nos deux voies se séparent. Faites chauffer l'artillerie, allez! Ils se sont enfuis, maître. Vous avez échoué.
Non, Malgus. Tout ceci ne fait que commencer. Oui. C'est un long millénaire qui s'achève. Korriban a été reconquise. Enfin chez soi. Incroyable! Incroyable, c'est moi qui vous le dis. Ah là 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 là. Incroyable. Et mon micro ne marche pas. Incroyable. C'est terrible. Pourquoi ça va pas? Incroyable tout ça. Allez. Combien de temps il reste? Il reste 2 minutes. Ouais, à peu près 2 minutes 30 avant le début de notre live. Et la webcam a 2 secondes de retard. Et ça, on le doit à la nouvelle carte Nvidia. Qui, force est de constater, doit être mal paramétrée. Mais bon, peu importe, on s'en fout. Ça va le faire, hein, y a pas de souci. 2 minutes avant le début de notre live. On va reprendre la schtroumpfette. Voilà le pari du jour. On va reprendre la schtroumpfette. Pardon. Et on va continuer le mode histoire de cette schtroumpfette. Souvenez-vous, au tout départ, je vais lancer un minuteur parce que je suis là de 18h30 à 23h. J'ai choisi de streamer, je sais pas combien de temps ça fait, mais j'ai choisi de streamer beaucoup de temps pour changer. Donc, la schtroumpfette au départ. Nouveau Padawan qui arrive fraîchement sur Titan et qui récupère, on va dire, des holocrons pour apprendre comment on est Jedi. Mais il manque un holocron. L'holocron a été volé par une espèce de raclure ancestrale, un lointain cousin. Qui est sensible à la force et qui a choisi d'apprendre je sais plus où on est, qui a choisi en fait d'apprendre le côté obscur. Et nous, on doit fabriquer notre sabre. On a déjà la poignée, il ne reste plus que le cristal Kyburn pour avoir ce fameux sabre laser. J'espère que j'aurai le double sabre, ou j'espère que je pourrai manier 2 lames. 2 lames, c'est déjà mieux qu'une. Tout ça, nous le verrons, bien évidemment, incessamment sous peu. 10 secondes à tenir, 10 secondes à ne rien faire, à part à vous dire oui, non, évidemment, n'hésitez pas à me follower, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti, me dit-on, on lance le stream. Allez, go stream! Alors, avant, je vais évidemment fermer quelques fenêtres, parce que sinon, ça va être la merde. Je vais fermer ça. Voilà, go stream! C'est parti, la schtroumpfette, le Jedi consulaire. Une paix fragile s'est instaurée dans la galaxie alors que la République Galactique et l'Empire Sith tentent de se relever d'une guerre dévastatrice. L'Ordre Jedi a regagné sa planète d'origine Titan afin de s'y regrouper. Et puis, je vais pas finir l'histoire. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Non, moi, ce que je veux, c'est afficher les objectifs. Voilà. Alors, il faut explorer. Oh, j'arrive pas à lire. Explorer la grotte du Détraqueur. C'est parti. Ah oui, rappelez-vous aussi, la schtroumpfette est mort 7 fois, on compte les morts. Donc là, on est à 7 morts. Alors, j'ai noté. Alors évidemment, comme je stream, je vais l'enlever. Un instant, j'enlève. Voilà, je le remettrai au moment opportun, sinon je l'enlève.
Mais, c'est pas. Bien, mais je veux pas être sur le chat. Au revoir le chat. Voilà, je vais être là. Alors. Je veux pas me gourer. Hein. J'ai pas envie de faire de mauvaises rencontres. Surtout que je n'ai pas de partenaire, pas d'assist. Ah oui, ça va, il y a ça. Faut faire ça avant. Paf! Après, faire paf! Et là, c'est l'instinct d'essai. À part pour eux. Je vois qu'on fait. Hein? Et voilà. Voilà, on a la technique, évidemment. La fast. Fast kill. Oula. Oula, ça c'est pas bon. Ça, ce qu'on vient de me faire là, c'est vraiment pas bon. Ça sent très mauvais pour Julie. Je vais lui faire un truc là. Fais ça! Oh, par pitié, décède! Oh, mais décède! Meurs avant moi! Meurs avant moi! Meurs! 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 Oui! Moult points gagnés! Je vais évidemment méditer pour me soigner. Méditons, c'est un moment de méditation très important. La méditation est quelque chose d'essentiel. Nous pouvons ainsi nous rappeler de nos origines. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Voilà, c'est fini. Je récupère le loot. Mon inventaire est plein, me dit-on. Eh bien, je vais... Ah oui, je suis dans la merde, là. Ah, j'aurais peut-être dû vendre des items, il est trop tard. Et par où on va? Par là? Mais le jeu me dit que c'est... Ah, je suis encore perdu. Ah là là, et j'ai des drops de frame. Ah, je vois que j'ai des drops de frame, je le vois très bien. Je vois les drops de frame, c'est horrible. Je pense qu'on devrait prendre 2 minutes pour que je reparamètre le framerate. On prendra une pause de minutes ou quelques secondes, histoire de reparamétrer ce framerate de merde avant qu'il ne soit trop tard. Mais vous allez mourir? Tiens, choisis de mourir s'il te plaît. Voilà. Alors évidemment, je ne peux récupérer que de la thune. Je ne peux pas récupérer. Quoi? Ça je peux! Alors par où faut-il aller? Le jeu a l'air de dire que c'est par là. Mais par là, il n'y a rien. Par là, c'est le néant. Ah, il y a un chemin. Il y a un chemin. Oh là 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 là. Ah, je vois le drop horrible de Fram. Sur le retour d'écran, c'est terrible. C'est dégueulasse. Comment oser faire ça? Je vais déparamétrer cette carte. Ce GPU. J'étais tellement content d'avoir le GPU et tout. J'étais heureux, j'étais fier. Ouais, le GPU, cool. Eh ben non. Eh ben non. Dites-vous que non. La base. Alors on va corriger ça. Je vais prendre, une fois que je serai remonté. Alors peut-être qu'il y a un moyen. Ah mais non, j'ai pas le fast machin. Ah, je peux pas faire ça non plus. Bonjour. Voilà, j'ai décidé d'être bienveillant. Oh, je n'ai pas le fast. J'ai pas encore le fast kill, j'ai pas encore appris. Moralité, je fais ça pour rien. Je dois. Ah non, pas vous! Et voilà. We're in the bed, dude. Oh, par pitié. Par pitié, mourez. Par pitié, mourez. Par pitié, mourez. Par pitié, mourez, s'il vous plaît. Par pitié. On va essayer de retrouver un coin calme. Ah, par pitié, meurs. Il faut qu'on essaye de retrouver un coin calme. Là, ça a l'air d'être relativement calme. Je vais immédiatement me mettre en scène. Je vais mettre... en full live. Et vous allez bien évidemment profiter de ce full live pendant que je reparamètre
directement. Du coup, vous n'entendez pas. Du coup, vous n'entendez pas, mais écoutez, ça n'est pas grave. Attendez, qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est pas ça? C'est ça! Ah, je ne peux pas! Ah, je peux pas! Alors, seule solution, je vais devoir arrêter le stream et le relancer. Écoutez, je ne peux pas, donc on va se contenter de ce qu'on a. Ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave du tout, j'ai envie de dire. On se contente de ce qu'on a et on est content de ce qu'on a. Mais pourquoi je fais un tour complet, il est con? Je déteste en fait ce que je viens de faire. J'étais tellement content, dit ouais, j'ai trouvé un raccourci, c'est ouf, c'est cool, mais non, pas du tout. C'est la baisse. Et non seulement c'est la baisse, mais en plus, il y a moult ennemis infinis. Ah non! Ah non, non, vous êtes nombreux, je n'aime pas. Parlez-vous! Mourez! Par pitié, mourez! Par pitié, laissez-les tous autant que vous êtes. Ne me suivez pas. Ah, je vais mourir. Ah, je vais tellement mourir, je vais pas avoir le temps d'aller là où j'ai envie d'aller. Je vais tellement mourir. On peut fuir? Ah, si je meurs... Ouais. Je suis mort, je vais aller directement au quartier Lical. J'ai réparé... Ah non, j'ai toujours un... Oh là, oh, c'est pire qu'avant. C'est plus pire que si c'était moins mieux. Oh, j'aurais vraiment dû... Ah, ça va être horrible. Ah, vous allez vraiment me détester. J'aurais peut-être dû travailler un peu plus... Ah, c'est pas pro. Ah, pas pro. Pas pro, bah c'est comme ça, c'est pas professionnel, c'est des choses qui arrivent. On n'a pas des streams de bonne qualité à chaque fois. Parfois, on se gourre. Parfois, on se trompe pas. C'est normal. Je peux te vendre des merdes. Est-ce que je peux te vendre ça, par exemple? Je peux te vendre? Non. Et ça, je peux te le vendre? Non plus. Et ça? Non. Et ça? Oh non, j'aurais... Ouais, bon, on s'en fout. Moi, c'est le swag. Tiens! Attends. Après service, regagnez votre poste. Avant de te le vendre, je veux juste savoir à quoi ça ressemble. Oh mais j'ai l'air moche. Certes c'est plus swaggy, mais j'ai l'air moche. Mets-toi en face battle. Oh ouais non, c'est moche. C'est moche à max. Je peux te le revendre alors. Veuillez patienter. Examen et recherche de produits en cours. Oh! Swaggy? Mais c'est déjà ce que je porte, non? Oui, c'est précisément ce que je suis en train de porter. Bon, on va accepter. Attendez, ça c'est quoi? Non. Ça c'est... Bon, temporairement, parce que sinon on va jamais sortir, je vais accepter que la schtroumpfette... Ah merde, je l'ai revendu. Ah, Brutix. Bon, celui-là, je le vends pas. Je vais accepter à ce que la schtroumpfette ne soit pas totalement swaggy, simplement pour qu'au moins on puisse passer cette phase. Alors, vous avez certes l'impression que le stream est extrêmement saccadé. Eh bien, sachez que c'est normal. Moi-même, je saccade. Moi-même, j'ai des coups un tout petit peu à chier. J'avais prévu un stream de 18h30 à 23h. Mais là, ça va être un peu compliqué. Non, 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 on frappe pas. On limite. C'est là-haut. C'est là-bas. Là-bas. Ah! Il y a moult personnes. Qui dit moult personnes dit technique de sac à merde. Tiens, prends ça. Ah merde, j'ai attaqué. Ah, ah, je vais encore mourir. Ah non. Ah non. Par pitié, non. Non, te fais pas bouffer. Ne te fais pas bouffer. Meurs. Voilà.
Oh là 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 là, la Schtroumpfette est trop weak, la Schtroumpfette est beaucoup trop faible, et le stream saccade de ouf. Attention les secousses. Mais c'est par où? Mais c'est par où? Il y a un moment dans la vie, faut vous respecter. Tenez, prenez des coups. Prenez ça, fast kill, voilà, allez, hop, dégagez. C'est tellement simple de tuer. Allez! Allez! Tiens! Oh oui! C'est tout. Attendez, il y a un sac à merde qui me frappe. Tiens! Mange du sabre! Attends, mais tu fuis! Oh! Non! On évite les combats. Par pitié, évitez les combats. Évitez les fights. C'est dommage, ce fight. Je suis pour la paix, moi. Bonjour, je suis pour la paix. Et vous? Ah d'accord, vous non, en fait. Vous êtes des sacs à merde. Ah, j'ai oublié de me soigner. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah, ça sent le décès. Au fait, 8e décès de la Schtroumpfette. 9e. Eh bien, nous allons appeler une sonde médicale parce que faut pas déconner non plus. Et on va tâcher comme ça d'avancer le plus loin possible. Je n'ai pas récupéré ma récompense quotidienne. On me fait signe dans mon oreillette que ma récompense quotidienne n'a pas été récupérée. Ah, par pitié, casse-toi! Par pitié, dépêche-toi d'avancer, dépêche-toi, vite! 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 Oh mon dieu, vite! Oh non! Encore une embuscade! Oh là là là! Vite! Vite! Prenez les coups! Oui, voilà! Décède! Oh non, mais alors, non, mais il y a un moment, décède! Décède! Oh là, oh non, mais c'est de la triche. C'est pas du jeu, ça, monsieur. C'est pas du jeu ce que vous faites, monsieur. Merde. Ah, il s'est barré. Je vais donc attendre 25 secondes. Il n'est pas question que je retourne au centre médical, que je me retape tout. Je vais donc attendre 25 secondes en votre compagnie avec ce stream de la saccade infinie. J'ai changé de carte graphique et visiblement j'ai oublié d'optimiser mon stream, d'où cette saccade infinie. Et clairement, Dieu sait que j'en ai envie, mais je vais pas faire ça. Je ne vais non pas réarrêter le stream pour le remettre comme il faut. Tant pis, la VOD sera dégueulasse. Mais en même temps, vous m'entendez, je suis là, je suis présent, et vous aimez le son de ma voix. C'est un son de voix, quelque chose de rassurant, finalement. Ou alors, non, on évite ça. Ah, par pitié, on évite ça aussi, non, et du coup, elle est, ah là 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 là, il me faut un partenaire. Il me faut un partenaire, ou alors il faut que je change mon style de combat et que j'opte pour un style un peu plus soigné. Tiens, dégage. Ah non! Tu n'étais pas décédé! Ah putain, merde. Ah, je vais encore mourir. Je sens que j'ai encore décédé à nouveau. Je sens ma mort. Je voudrais avancer quand même, quoi. Oui. Méditons. Un petit instant de méditation. Vous et moi, nous allons méditer, évidemment, sur le sens de la vie. Sur le fait d'avoir choisi un personnage qui est extrêmement weak, et pourtant j'ai opté pour une armure niveau 12, et je me fais quand même enchaîner comme une jouvencelle. Ah ouf, ah non, merde. Décède. Ah, par pitié, meurs. Ah, par pitié, meurs. Meurs vite, rapidement, s'il te plaît. Voilà, c'est bien, je suis content. Ta mort me fait extrêmement plaisir. Toi, tu vas mourir vite. Par pitié, meurs! Non. C'est quoi ce 1 là? 1, c'est le coup de base. Je n'ai donc pas appris de super coups. Aurais-je été aussi nul que ça? Nous sommes dans la grotte du déchiqueteur.
Et nous allons, hop, bien évidemment, nous prendre des techniques, nous prendre des fights. Prends des coups. Prends des coups. Protection. Je sais pas ce que je viens de faire. Prends des coups. Ah mais par pitié, meurs. Meurs très vite. Bon, ça n'arrive. Meurs très vite. Que faut-il faire au fait? Ah, vous aimez cette petite couleur, hein. Alors nous devons explorer, va bah, juste explorer la grotte. Eh bien, explorons cette grotte. Ah, il y a un personnage avec moi. Ah, bah du coup, hop, merci. C'est gentil. Prendre les coups à ma place. Et du coup, moi, je vais perdre contre ce sac à merde. À prendre 4 tombes. Oh, il est mort. Oh, il est mort. Et ça, c'est barreau. Mais du coup, on va où? C'est par où? Ah, c'est par là, apparemment. Tiens, prends des coups. Attendez. Paf. Paf. T'as mal, hein? Tu récupères pas le loot? Et moi, je vais par là, au fait, hein. Merci pour ton aide, qui que tu sois. Attendez, je vais un peu méditer, car j'ai besoin d'un peu de vie. On arrête la méditation. C'est parti, mode histoire. Prends des coups! Bam! Ah, merde. Prends des coups! Ah, par pitié, décède. Par pitié, meurs rapidement. Par pitié, meurs avant moi, surtout. Oui! Il est mort. Il n'a pas survécu. Méditation, on le sait, un personnage extrêmement faible ne résiste pas. Alors, méditation. Prends les coups. Ah, merde. Ça, c'est nul. Tiens, prends des coups. Prends ça. Ah, ça a pas marché. Alors du coup, votre cinématique qu'on a montré en intro a dû être terrible. Ça a dû être particulièrement moche. Cinématique à la con, quoi. C'est où? Ah, ils sont plusieurs. Plusieurs, donc. Évidemment, on va... Hop! Ah, pardon. Alors, c'est bon. C'est par là, l'ami. Ah. Oh, un rocher. Une cinématique. Ça a l'air d'aller, hein. Je regarde le stream. La saccade est pas ouf. Hein. C'est encore relativement acceptable. J'ai rien compris de ce que tu viens de dire, mec. T'as peut-être parlé, t'as dit des trucs. Je ne vois pas ce que tu entends par point de Jagannath. Tu as les points de Jagannath. La vidéo va être exportée sur YouTube. Je mettrai évidemment le lien. La chasse est votre façon d'honorer votre déesse, cette gardienne des points, et d'améliorer votre statut social. Je suis fatigué là. J'ai faim. Je suis là jusque 23h. On va s'enjailler jusque 23h. Ça va être terrible. Elle est très érodée. Je ne vois rien qui puisse nous être utile. Attendez, je vais quitter des trucs. Peut-être que si je quitte genre ça ou ça, je vais gagner un tout petit peu. Il faudrait que je les examine de plus près. Empiler les vieux ossements signifie peut-être quelque chose pour les déchecteurs. Les déchecteurs.
Je n'arrive pas à lire cette bouée de pixels. Et je comprends rien à ce que tu viens de dire. Des ossements. C'est quoi cette merde? Ah. Instant gameplay. Waouh, ça a popé comme ça. Au pif. Et qui êtes-vous, les cousins? Merci d'être venu si vite, Jedi. L'odeur des déchiqueteurs nous tourne la tête. Quoi, l'odeur des déchiqueteurs? Il y a des déchiqueteurs partout dans ces grottes. Bah oui, c'est logique. Ils ne vous ont pas vu? Nalan nous a ouvert la voie. Il a dissimulé son odeur, puis il a abattu ces choses en un éclair. Nalan nous a dit de vous attendre. Vous avez quelque chose dont il a besoin. Il doit trouver ce puits de Rajivari pour continuer de défendre notre village. Je suis désolée, vous avez été loyal avec nous. Mais je dois prendre cette première lame que vous avez trouvée à Kalet. Nalan en a besoin. Ah non, c'est à moi, hein. C'est mon sabre à moi. Puis quoi encore? Hop, je fais le choix, bon. Ce que j'ai trouvé. Mais pour m'excuser, laissez-moi faire un don au village Kalikori. C'est vrai. Et je vais donner 3 roupies. Nous aurions pu acheter beaucoup de médicaments. Tenez, cela devrait compenser. Voilà. A raconté beaucoup de choses à propos des Jedi. Je t'ai offert 3 roupies, 2 rognures d'ongles que j'ai trouvées par terre. Cette lame attendra. Tu vas vendre ça 2 crédits. 3 roupies de rognures d'ongles. C'est pas mal. Bon alors. Ici, dans cette grotte, nous, les fondateurs, avons parlé de notre vision de l'ordre Jedi. Et moi, Rajivari, j'ai écouté. Il a écouté. Alors qu'il mutilait consciencieusement notre nouvel ordre. Il a mutilé. Merde. La médiocrité. Chier. Tout cela est insupportable. Il parle à la troisième personne. Avec mon armée des véritables fils noirs de Kiton, je vais purger ce conseil d'imbécile. C'est raciste, ça, monsieur. Ça, monsieur, c'est raciste. Très bien, choix numéro 1, parce que... Attendez, est-ce qu'il y a des choix lieutenant? Attends, qu'est-ce qu'il veut dire par véritable fils noir de Titon? Bah, toi, t'es une fille bleue, par exemple. Seuls mes apprentis... Lui, c'est un cousin vert. Depuis Kalet, nous façonnerons les Jedi comme ils méritent de l'être. J'ai reçu quoi, là? Si la poignée de la première lame a été retournée, nous avons réussi. Et l'avenir suit la voie que nous avons tracée. Et c'est pas mon sabre laser? Chercheuse. Oh non! Suis la voie menant au puits de Rajivari. L'heure est venue. Et j'ai fait un nœud. Non. En tout cas, mon casque est. Il faut que j'achète un casque avec un plus long câble. Je comprends. J'ai certaines choses, mais le reste est incompréhensible. Mec, je comprends rien. J'entrave que dalle tout ce que t'es en train de barabouiner. Stable. Ah, suivant les angles de caméra, on voit mon fond vert de temps en temps. C'est rigolo. Bon, alors allons-y, hein, on se casse. Oh non. Ah bah attendez, on va se casser, mais on va éviter les fights, c'est bien. Ah bon, on s'en va? C'est tout? C'est tout. Peut-être qu'il faut aller de l'autre côté? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire, me dit-on? Rejoindre Mass Yuan Par. Eh bien, nous allons rejoindre Mass Yuan Par. Avec le Fast Travel. Avec là. Hop. Ne perdons pas de temps à nous battre. Ah, quoique, se battre, c'est gagner des niveaux. Gagner des niveaux, c'est apprendre des nouvelles techniques. Alors, c'est peut-être pas un bon plan, finalement. C'est un plan de merde. Elle est où, ma copine? Elle est où, Ginette? Je rappelle, hein, mon mentor s'appelle Ginette.
je vais pas prendre de quête annexe. J'en ai une qui squatte. Je la ferai à la fin. Avant de partir, je ferai mes quêtes annexes. Ah voilà, Ginette, la perfection au masculin, évidemment. Maître Yuan, Yuan. Je crois que j'ai les coordonnées depuis de Rajivari. Kaizen c'est m'a bien. Mise au courant, Padawan. Je viens de recevoir un message très inquiétant pour toi, de la part de Nalon Ralok. Qui? C'est qui? La survie. La mienne, celle de mon village, et la vôtre, Jedi. C'est quelque chose de très intéressant. Vous avez trahi mon peuple. Non, sans blague. Peu importe. Il existe d'autres voies menant au puits de Rajivari. Continuez, et je vous tue. Ah! Une demi-heure de passé. Vous regardez. J'en ai marre. Vous venez de regarder, ou vous regardez actuellement Star Wars The Old Republic avec Cécile Cordeli. Nous jouons actuellement avec la Schtroumpfette qui est devant un choix difficile. La Schtroumpfette va faire le choix numéro 1. Notre voix, mais nous avons la carte. Oui, chier. Les coordonnées. S'il te plaît, fais-moi voir. Non. J'ai pas envie, madame. Fichtre. Choix numéro 1. J'ai étudié des représentations similaires. Et cette coordonnée correspond avec les plans anciens du côté ouest du col de Tithos. Ce qui correspond parfaitement à la première coordonnée. Beau travail. Mais il nous reste cette coordonnée. Sans elle, on ne peut pas trianguler le puits de Rajivari. C'est peut-être une formation rocheuse. J'ai tellement envie de rage quit. J'ai mal aux yeux. Et j'ai encore mes saucisses qui m'attendent. Choix numéro 1. Cette coordonnée nous mènera au puits de Rajivari. Si tu penses pouvoir la trouver, fais vite. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ah oui, attendez. Petite piqûre de rappel. Padawan, regarde. Dans les codes de la carte, il y a quelque chose d'autre de caché ici. Un avertissement ? Le puits de Rajivari possède des mécanismes de défense contre les intrus. Merde ! Les adeptes de la voie de Rajivari passeront sans encombre pour gagner sa sagesse. Enfile-moi mon sabre et on se casse ! La philosophie de Rajivari doit permettre de passer ces mécanismes. Probablement des pièges. Nous savons que Kalet était le bastion de Rajivari. Et les fouilles ont révélé des terminaux informatiques anciens dans les hautes contrées de Kalet. Ces terminaux pourraient nous donner des réponses s'ils n'étaient pas verrouillés par des mots de passe. La poignée de la première lame nous a donné accès aux coordonnées du puits de Rajivari. Elle pourrait peut-être déverrouiller ces terminaux. Bien sûr, ces gravures. Certaines ressemblent à des algorithmes de sécurité. Rends-toi dans les hautes contrées de Kalet et étudie ces terminaux. Je vais attendre Kaizen ici. Nous nous rapprochons, Padawan. Ah là 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 là. Je le sais. File-moi mon sabre et on se casse. Oh, une nouvelle tenue. Vite, elle est de niveau 30. Je vais bien évidemment tout de suite. Et ben voilà. C'est pas ce que je veux faire. Qu'est-ce que je viens de faire? Mec, mais non. Ah oui, non, mais c'est pas contre lui, c'est I. Voilà, je vais évidemment tout de suite. J'avoue, c'est swagué. Si on peut par contre me refiler un truc un peu plus plus cool. Pourquoi on m'emmerde? Et alors, de quoi ça parle? Bon bref, c'est swagué. Je vais aller voir un marchand pour qu'il me refile quelque chose qui a un peu plus de gueule. Parce que là, je la trouve pas très féminine, ma petite Schtroumpfette. Je trouve que la Schtroumpfette, elle perd un petit peu de sa féminité. Là, elle a pas compris. Et il me faudrait un partenaire. Il me faudrait un partenaire, mais c'est assez particulier en fait. Un androïde. Eh, hey, mais je peux avoir un partenaire, au fait. Avec le cartel. Non.
Peut-être qu'avec le cartel, je peux me trouver un partenaire. Ah bah voilà. On a trouvé une solution. On va se trouver une partenaire ou un partenaire avec le cartel. Par contre, j'ai 342, c'est pas beaucoup. Oui, oui, bah on s'en fout, je sais ce que c'est que le cartel, fais pas chier. Oh putain, partenaire. C'est où les partenaires? I want the partenaire. Putain, j'arrive pas à lire. Peut-être sur le retour. Mais non, sur le retour de stream non plus. Divers. C'est quoi divers? I want partenaire. I want old body. Monture. Non. Stable. Oh putain, il coûte cher. Mais c'est des armes. Le chevalier prodigue. Trié. Par prix. C'est des armes. Mais je veux pas d'armes, moi. Je veux un partenaire. I want a partenaire. I need a partenaire particulier. Bon, alors, c'est pas ça, alors. Non. Ça, c'est des teintes. Attendez, peut-être que je peux chercher partenaire. Non. Ce n'est pas un partenaire. Voilà, je mets tout. On a tout par prix. Ça, c'est des emotes. Encore des emotes. Ah! Non, ça, c'est une humeur. Oh, putain. Ça, c'est une option d'apparence. On s'en balèque. Oh my god. Mais les partenaires sont où? C'est pas lui? Ça pas un partenaire? Humeur? Non? Oh là là. T'as un partenaire, toi? Un droïde d'entraînement. Après, c'est de la merde. Je me dis peut-être qu'avec un personnage supplémentaire. De toute façon, c'est trop cher. De toute façon, c'est 1000 fois trop cher. De toute façon, c'est 1 milliard de fois trop cher. Donc, on oublie. Tant pis. L'idée était bonne, mais non. Alors, allons nous chercher. C'est là. Et lequel J'ai de bons fournisseurs. Vous trouverez les meilleurs articles. Mais je veux pas de ça, moi. Toi, tu vends quoi? Tu vends une pelle? J'en ai rien à foutre de ta pelle, moi. Je veux des armures, moi. Ah bon, je pensais que. Bon bah tant pis. La schtroumpfette ne sera pas féminine. Ah non non non. Ah bah attendez, puisqu'on a monté d'un niveau, allons voir l'autre. Maître Wesh. Et il va nous donner une nouvelle technique. Moi j'espère. Il est où Maître Wesh? Viens Mesh. Wesh, on peut parler? C'est sage de votre part de venir chercher l'instruction. C'est très sage. Eh bien voilà, j'ai récupéré les trucs. Que la force soit avec vous. Je pense que c'est soulever de force. Teneur en force. Ça sert à quoi?
Je ne sais pas. Visiblement, ça doit pas servir à grand chose. Vous avez le sentiment que le stream saccade, c'est tout à fait normal. Bon, tant pis. Notre petite schtroumpfette ne sera pas coquette. Elle va doser du déchiqueteur à l'infini. Est-ce que je peux fast travel? Je peux fast travel. Je crois que je peux fast travel facilement. Il me semble que ça doit être par là. Allons fast travel. Alors, quand on débute, le fast travel, c'est peut-être pas une solution en soi. Parce qu'évidemment, on débute. Mais tant pis. Est-ce que c'est pas par là? Est-ce que par hasard, c'est le truc? Est-ce que je me gourre pas, en fait? Eh ben, j'en ai perdu un sur les trois. Mon cul? Alors, j'en ai perdu deux sur trois. Décidément. Prenez les coups! Prenez les coups! Mourez! Allez, je vais recommencer, c'était pas assez. Ah, la schtroumpfette. La schtroumpfette prend cher. Allez, on va pexer un peu quand même. Un minimum. Voilà. Pexons un tout petit peu. Voilà, on va un petit peu pexer. Aïe, j'ai mal! Comment c'est possible? Comment je peux avoir mal, moi? Allez, dégagez tous, là! Tiens, prends des coups! T'as une monture? Ah, j'aurais dû prendre une monture! Bon, tant pis. On s'en fout. C'est pas important. On est tellement mieux à pied. Attendez, c'est quoi ces conneries? Pourquoi il y a un truc là au milieu? Chercheur de titans. Il y a un truc à faire, là. There is something to do. Non. I. Objet de mission. Non, non, plus. Mais je suis dessus. Je suis carrément dessus. Garde. Me mets dessus si tu veux. Voilà. Hop, vas-y. Oh là 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 là. Mais vas-y. Vas-y, qui te dit le monsieur là? Tant pis. Je récupère quelque chose. Je vais tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Non. La merde. Ces gants sont bien plus puissants. Évidemment les vêtres. Voilà. Les gants, on s'en fout quelque part. Les gants, c'est. Ça casse pas le swag, les gants. Il y a des gens qui passent avant moi et qui me nettoient le terrain. C'est sympa. Et du coup, je ne peux pas pexer. Et ça, c'est fort dommage. Allô? Allô? Tiens, prends des coups. Eh, mais je peux aller dans la forteresse pour récupérer... Oh, mais il est con. Bien sûr que je peux aller dans la forteresse. C'est par là. Le jeu a l'air de dire que c'est par là. Alors allons par... Oh, un coffre. Check this coffre. Ah, j'en sais rien. J'arrive pas à lire, alors je vais faire nappe.
Maître Rajivari est mort. Le conseil a survécu. Nous avons échoué. C'est bien. Ils vont venir après nous. C'est con. Ils vont nous assiéger pour nous capturer. Nous n'abandonnons pas. Bien sûr. Le cinquième principe de Maître Rajivari dit que la clémence envers un ennemi crée une spirale destructrice. Ah bon ? Nous porterons de nombreux Jedi avec nous. J'ai mal aux pieds. Elle marche trop, la schtroumpfette. Elle marche beaucoup trop. Bon, on a récupéré un truc. Barons-nous. Voilà, c'est par là. Attendez, il y a une grotte sous ces mois, là. Peux-tu mourir, s'il te plaît? Tiens, s'il te plaît, décède. Ah, vous êtes beaucoup, là. Vous êtes nombreux. J'aime pas ça. Tiens. C'est mal, hein. Attendez, je recommence une deuxième fois. Hop. Aïe, 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 aïe. Un deuxième coffre. Toutoutout. Oh, une cousine. Encore un Jedi aujourd'hui, mon septième. Maître Rajivari a constitué une armée avec les alliés qu'il a trouvés derrière les montagnes. Ils génial. Ils sont très utiles maintenant. Mais ils ont disparu. Ils ont juste déserté. Ces cannibales et leur campement stupide. C'est triste. Le deuxième principe de Maître Rajivari dit que la vie est un combat jusqu'à son dernier souffle. Oh là là, mais on s'en fout. Ils n'ont pas laissé le choix. On s'en fout que t'as appris tes leçons, Jacqueline. Ça fait penser aux bons élèves qui sont mille fois trop bons et qui peuvent pas s'empêcher de réciter leurs leçons exactement à la virgule près. J'ai envie de dire à ces gens, mais on s'en bat les couilles, on s'en fout que vous ayez appris votre leçon. C'est pas le principe d'apprendre une leçon, c'est de l'appliquer la leçon. C'est ça qui est important. Oh là 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 là. J'ai quelque chose contre les mauvais élèves, j'ai l'impression. Je suis une fixette peut-être. Meurs. Ah bah je fais ça pour rien. Meurs. Tiens, coup de force. T'as mal hein. Du loot. Bon, quand on va retourner après cette mission, on va aller évidemment à la forteresse. Oh, c'est subtil. Quelle subtilité. On va évidemment retourner à la forteresse sur Coruscant. Ça n'arrête pas de saigner. Oh bon sang, pourquoi est-ce que j'ai couvert Vadria? Le septième principe de Maître Rajivari. Oh. Sacrifier sa force et la voix de la folie. J'aurais dû la laisser mourir. Peu importe. Mais on s'en fout. Le siège est presque terminé. Il n'y a qu'une seule. On pourra s'asseoir dessus. On s'en fout que vous ayez appris vos leçons, bande de... Meurs. Bah tant pis. Meurs. Prends des coups comme ça là. Tiens, et je te fais ça aussi. Pouf. Je tombe. Ah non, non, mais non, non, non. Vous êtes bon, vous êtes nombreux derrière là. Vous êtes combien? Oh, vous êtes nombreux. Oh, j'ai pas apprécié. Tenez, prenez des coups. Tenez, prenez des coups encore. Tiens, prends des coups. Prends un coup de sabre. Vas-y. On va où maintenant? Vers le temple Jedi. Que faut-il faire Rejoindre maître. Ah bah voilà. On va rejoindre Maître Truc, mais avant d'aller la rejoindre, on va aller à la forteresse. C'est important. On va aller à la forteresse. On va rhabiller la schtroumpfette. On va refiler de la thune à la schtroumpfette. On va dire 1200 crédits, pour dire d'être tranquille. Et puis c'est pas si mal.
1200 crédits, c'est quand même pas mal. Hein. Heureusement qu'il y a des batailles. Pétage de câble, je vous jure. Ah bah, il est barré des semaines, ouais, c'est bon. Alors évidemment, petite cinématique pour introduire le fait que la Schtroumpfette va dans la forteresse au Coruscant. C'est important. Elle est belle, la forteresse. Et surtout, elle est là où techniquement, c'est pas encore ouvert. Donc, c'est chiant. C'est ballot. Merci. Allez, maintenant, on y va. J'en ai marre. On voit pas ma tête. Enfin, techniquement, si, on voit. Ah ben, on me voit plus. Là, on me voit à peu près. Là, faut que je me tourne comme ça. Qui es-tu ? Je peux récupérer ça. Ah bah je vais récupérer des trucs. La dernière fois que j'ai fait ça, le jeu a planté. Ah bah non. Bah tant mieux. Quelque part, ça m'arrange. Bon allez. Go Fortress. Go banque de l'héritage. Il y a de l'argent dans la banque. Ça sert à rien. J'ai installé, ça sert. En plus j'en ai deux. C'est doublement inutile. C'est là. Je vais retirer. On va tirer 1500 crédits. Voilà. C'est important. Et bah techniquement, je vais aussi pouvoir revendre des trucs, non ? Oh, merci. Ah là, je peux faire de la revente. Tiens, je te vends des objets gris. En échange, je te propose de réparer mon équipement. Voilà. Maintenant, on va retourner où on était. Ah mais avant, on va check la banque. En fait, ouais, je peux pas. Ah mais j'ai pas le droit. I don't get the right for that. Oula, oh, oh, oh mon dieu. Je crois que le jeu était pas prêt. Avant, je vais récupérer bien évidemment les récompenses. Ah bah j'ai tout récupéré, donc c'est tout maintenant. Oui, bah voilà, ouvrir. Hop, merci. Une autre caisse. Merci. C'est tout ? Merci. Le bouton d'ascenseur, je vais évidemment retourner sur Titon. Ah mon dieu, j'ai mal au dos. Ah, ça a l'air de dire que ça se passe bien au niveau du stream. J'ai une petite icône verte qui dit que tout va bien. Donc nous avons eu un bref instant de fluidité. Et maintenant, c'est la merde. C'est tout rouge. Go temple. Maintenant j'ai de la thunasse. Je vais acheter... les vêtements les plus swaggy pour ma Schtroumpfette. Bah avant faut que je sache où est le... C'est dans quel quartier? Oh là 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 là. C'est là. Non, c'est pas là. C'est là non plus. Il y a un truc devant. Donc ça va être par là. C'est par là. Et toi, tu vends des trucs. Regardez des armes. Mais tu vends que dalle. Tu vends Kutch.
Mais tu vends Kutch, putain. Merci. Tu m'as bien eu. Toi, tu vends quoi? Mais tu vends Kutch. Mais c'est même pas pour moi. Oh. Et toi? Ah, tu vends des trucs. Je peux savoir ce que ça fait sur moi, ça? Mais c'est de la merde. C'est de la merde. C'est ça. C'est ce que je porte actuellement. Hein. Ah non, c'est pas du tout ça que je porte actuellement. C'est de la merde. C'est pas swaggy, c'est moche. Merci de votre confiance. C'est particulièrement moche. Bon, allons voir Ginette. Je rappelle, hein, Ginette. La perfection. Salut Ginette. Comment ça va? Maître Yuan, j'ai les indices qu'il nous faut. Oh, Padawan. Déjà de retour? Padawan. Quels indices as-tu trouvé? Ne me plaît par mon nom, je suis Schtroumpfette. J'ai trouvé beaucoup d'indices. Les dernières paroles des apprentis de Rajivari. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, ils sont tous morts. Alors, les Jedi ont assiégé Khaled quand Rajivari a en même temps, c'était il y a 1000 ans. Donc, même s'ils avaient survécu, là, ils auraient à peu près ta tête maintenant. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Est-ce qu'on peut passer au puits de Rajivari? Oui. Vas-y. Quand Kaizen nous rapportera la dernière coordonnée, tu pourras... Attends. Où est Kaizen? Cela fait... Ah, scheisse! Quel temps est-ce que j'ai travaillé? 1000 ans. Le temps passe vite quand on s'amuse. Je devrais partir à la recherche de Kaizen pour m'assurer qu'il va bien. Oh non! Il a parlé des grottes de la cascade, n'est-ce pas? Si Kaizen a trouvé la dernière coordonnée, tu pourras trianguler le puits de Rajivari. Il n'y a pas de temps à perdre, Padawan. Va. Et que la force soit avec vous deux. On peut pas faire une ligne droite, vous êtes obligé de m'emmerder à faire des détours à la con. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça requiert? Oh, niveau 30. À quoi ça ressemble? Ça ressemble, c'est de la merde. Je le mets quand même. Voilà, je suis beau. Je suis bien. Je suis bien. Et si je mets ça? Ça colle, ça fait un, genre un petit effet legging. Ouais, ouais. Moi, je kiffe les leggings, moi. Tiens, une deuxième arme. Non? Ah, il peut pas? Merde. Chier, ça. Tiens, un mur. Allons-y! Ah non, j'ai pas le fast travel. Ah, on va se faire chier. Bah en même temps, les grottes de la cascade sont pas loin. Donc voilà quoi. Ça va être vite fait d'y aller. Ah, vous avez peut-être l'impression que le stream saccade ouf. Eh bien, c'est normal. C'est tout à fait normal. Dans 2 minutes, il va falloir que je refasse une présentation parce qu'on va passer une demi-heure. C'est tout. Tout à fait normal. Mais qu'est-ce que c'est que... Mais c'est pas par là? Mais non! Oh, j'en ai marre. C'est pas par là, vous pouvez pas me dire. Là-bas. C'est là-bas. C'est... Non. Non, non, mais non. Non, mais je veux y aller, moi. I want to go là-bas, moi. Regardez ça. Je vais passer. Oh, non. Je ne suis pas passé. Mais non. Oh, il y a un pont. On aurait peut-être pu prendre le pont, en fait. Et il y a un mec qui s'entraîne. Il a un sabre. Je veux mon sabre. J'en ai marre d'aller chercher Jackie, parce que c'est pas... il sait pas... Donc vous êtes sérieux? Ah, ça saccade de ouf, hein.
Ah, je sais. C'est terrible tout ça. Vous pouvez pas me dire qu'il fallait prendre le pont? Oh là là. Bon, après, c'est par là, c'est à droite. Mon cul. Nos ponts. There is no pont à prendre. Ah. Petite gourgadine. Ah bah, je suis coincé. Je suis coincé. Décoince-moi. Du coup, j'arrive où? Ah, je suis là. Alors, attention. Car, ne refaites pas ça chez vous. Ceci est une technique de professionnel qui permet notamment où est-ce que je suis? Où est-ce qu'on doit aller? Oh, j'en ai marre. Apparemment c'est par là. Là il y a... Bah non, je venais de par là moi. C'était par là que j'étais. Et même je suis tapé. Oh là là. Ah! Une demi-heure sont passées. Vous êtes sur Star Wars The Old Republic. Nous sommes en train de jouer avec la Schtroumpfette qui, force est de constater, s'est légèrement perdu. Pour rejoindre un sacré trou du cul qui, lui aussi, s'est perdu. Bon, comme quoi, hein, on était fait pour se rencontrer. On est dans la même équipe, on est perdus tous les deux. Allez, par pitié, dites-moi où je dois aller. I need a map. Donc, faut suivre ce chemin à la con. Mais attends. Est-ce que j'ai pas quelque chose pour m'y amener directement sur site? Est-ce que j'ai pas un fast travel? Non. Je vais prendre le fast travel pour aller le plus près possible du truc. Mon dieu. Voilà. Faudra vraiment que je la fasse, cette putain de mission à la con, NC4. C'est par là. Oh non, c'est là où on s'emmerde. C'est là où je suis mort 20 fois. 9 morts hein, pour la Schtroumpfette. 9. 9 décès. Et beaucoup. La Schtroumpfette assure pas. Hein. Mais elle a appris des techniques. Bon, pour le moment, on se bat pas beaucoup. Hein. Je dois avouer. Le fight est pas. Il est pas ouf. Ah, ça y est. On arrive derrière la chute. La chute. Nous y sommes presque. Et c'est là qu'on tombe. Et c'est le drame. On y est. Je n'appartiens à aucune guilde pour le moment, mais il est fort probable que je l'associe à la guilde des puissants Jedi FR. J'accède au mode histoire. Je dois vous battre, les cousins. Apparemment, vous êtes des adversaires pour moi. Le jeu a dit que vous n'étiez pas des lentilles. Je recommence ça. 1, 2, 3... 4. Ça fait mal, hein. Et pendant ce temps, je me prends des coups. Oh oui. Tu es décédé. Et je récupère du loot. Je vais évidemment étendre. Ah, je bats. J'aurais dû en acheter plus. J'aurais dû récupérer plus de crédits. My bad. Prends des coups. Ah non, j'aurais dû me soigner. Ah là 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 là. Ah là là, le décès. Ou alors je me soigne. Ou j'envoie les... Voilà. Ah bah. Pourquoi tu danses? C'est pas grave. Ne danse plus. Médite sur ces moments de la vie.
Médite, car ta santé est importante. Bonjour. Ah ben j'ai pas dit bonjour au chat. Ah bah disons bonjour au chat. Du coup ça va faire bugger le jeu. Allez, bonjour le chat, on va dire. Bonjour. Le chat. Voilà, du coup le jeu bug. C'est pas grave. Voilà, ça bug plus. N'oubliez pas évidemment de commenter cette partie. Ça saccade de ouf, je sais. C'est la vie, c'est comme ça. Allez. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, bim. Et toi, tu vas mourir. Car on est cousins, je sais, mais voilà. J'ai trouvé que le jeu était particulièrement... Voilà. N'hésitez pas à donner votre avis et commenter cette partie ouf gueudin. Et évidemment, ce 1, 2, 3, 4. Pas mal, hein? Après, on fait paf! Et voilà. Fin du game. Ah non, non, mais non. Et ensuite, comme j'ai pas de partenaire, je vais bien évidemment méditer. Méditons sur le sens de la vie, petite schrumpfette. Car je crois que tu perds de la vie, mais genre, quasiment un fight, une méditation. Voilà. Je n'ai plus de place dans mon inventaire. Le drame. Ah, oui, oui. Wait! Et prenez les coups! Pas mal, hein? Tiens! Tu souffres, hein? Aïe! Moi aussi, du coup. Voilà! Mon objectif secondaire est tata. J'ai une mission bonus. C'est tout ça pour du bonus. Je veux pas récupérer, mon inventaire est plein. Ah, vaincre les Twi'leks. Bon bah alors. Ah merde, j'aurais peut-être pu méditer. Ça aurait pas été une mauvaise idée, tiens. Attendez, je vais méditer. Attendez. Aïe, ça fait mal ça. Ah, c'est ça qui va mieux faire ça. 1, 2, 3, 4, oui. Oui, c'est du Twi'lek. Tiens, prends des coups, 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 vas-y, meurs. Dixième mort de la Schtroumpfette. Si ça, c'est pas beau. Ah, la Schtroumpfette. Ah, mais alors, du coup, j'aurais pas le choix. Je vais appeler une sonde. Une sonde médicale. Qui va... bien évidemment... J'ai mal aux oreilles car le casque est pas adapté pour moi. Je vais me mettre là et je vais méditer. Médite. La méditation est essentielle car en fait les gens ne prennent pas assez le temps. Il faut prendre le temps de penser les choses, de les réfléchir. Et ça c'est important, c'est fini. Allez, on va fight cette espèce de raclure ancestrale. Vas-y, dégage. Hyper. Tiens, prends des coups. Des coups, des coups, des coups, des coups. Vas-y, 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 vas-y. Tiens, je fais ça aussi. Tiens, fais ça. Et je fais ça également. C'est ce que je viens de faire. Tant pis. Fais ça. Soulever de force. Ah. Soulever de force. Ah bah voilà. Ah mais je suis en train de mourir. Je suis encore en train de mourir. Ah non, non, mais non. Il y a un moment, faut vous respecter, là. Il y a un moment, Jacqueline, faut te respecter. Pan de la merde. Tu vas mourir avant moi. Tu vas tellement me tuer. Oui. Et non. Oh non. Oh non. Oh le double KO. Oh le double KO et l'attente très longue. Oh là 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 là. Dramatique double KO de la Schtroumpfette. L'attente la plus longue du temps. Plus que 4 secondes. 3, 2, 1. Allez, go! Une sonde médicale a été envoyée. Vous êtes un spectateur.
Si vous êtes un spectateur, pourquoi me mettre à Ness alors? Je ne sais pas. Voilà. Donc, je récupère l'argent. Je sauve Robert en mode invisible. J'ai libéré Osines. Je comprends rien. J'entrave pas un mot de ta langue, mec. Je sais pas ce que tu racontes. C'est terrible. C'est comme avoir un ami qui parle une langue que vous comprenez pas, mais... Comment te dire? Parce que de toute façon, même si je te dis que je te comprends pas, tu comprends pas. Quand je te dis que tu me comprends pas. Donc du coup, tu continues. Je pourrais arrêter d'être un sac à merde et d'apprendre sa langue. Effectivement. C'est pas une mauvaise idée en soi. Mais bon. Tu es encore une personne, Kaizen. Avec ou sans points. Kaiser! Scheiße! Je comprends rien. J'entrave pas un mot de ce que tu dis, mec. Je m'en fous. Kaizen, Maître Yuon est resté au temple Jedi pendant des heures. Nalun a dû utiliser la force pour te faire croire qu'il était Yuon. Pourquoi vous me racontez vos vies? J'en ai marre. Ne me racontez pas vos vies. Ouais, vas-y, choix numéro 1. De toute façon, c'est tout le temps le choix numéro 1. Je vais vous dire un truc, j'arrive pas à lire mon écran. Ce sera toujours le choix numéro 1. Voilà, vous êtes niveau 9. Voilà, vous avez parlé à un mec, donc insta niveau 9. Vous avez mérité. Voilà, je t'ai parlé, donc honnêtement. Donc t'as rien à dire en fait. Bon, barrons-nous. Ah, mais c'est un ami. Ah, c'est mon partenaire. D'accord, alors je ne bite pas rien de ce qu'il me dit. Je ne bite pas un, j'entrave pas un mot de ce qu'il me dit. Et il va m'assister. On va bien s'amuser. Allez, viens, partenaire. Ah bah alors du coup, je vais être un peu moins weak, un peu moins faible. Je vais donc pour... Parce que, en fait, quand on a un partenaire, il vous soigne. Et du coup, bah, vous pouvez aller au contact. Mais bats-toi. Mais bats-toi. 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 Bats-toi plus fort. Oui, voilà. Ah, mais mon inventaire est plein. C'est terrible. Allons par là. Le jeu dit que c'est par là. Non? Ce n'est pas par là. N'allons pas par là. Le jeu dit que ce n'est pas par là. Le jeu a l'air de dire que c'est par là. Ah, je suis perdu dans un labyrinthe. Prenons des coups, oui. Alors attendez. Prenez ça. 1, 2, 3, 4, 5, et ça. Ah, apparemment c'est par là. Puisque je dois battre 15 droïdes, c'est par là. Tiens. Ah, je vais avoir le tuto pour les compagnons. Oui, alors... Voilà. Merci. Gentil. Et lui, il a un droïde. Moi, je veux mon droïde aussi. Ah oui, il s'est débarrassé de mes droïdes. Mais t'es une raclure. Pourquoi t'as fait ça? J'espère qu'il y a des droïdes après. Il m'en faut encore 11. Il n'y a plus de droïdes. Il y a tellement plus de droïdes. On fait demi-tour. Il n'y a plus de droïdes, Jackie. Non, Jackie, je me suis trompé. Viens, on fait demi-tour. On va battre des droïdes. Il en faut 11. Tout ça parce que l'autre, il a pas pu s'en empêcher à faire son intéressant et son malin. Eh, j'ai un truc à faire avec mon perso, apparemment. Ah oui. J'ai oublié ça. Là. Bah, je comprends pas, alors. Là. Appliquer.
appliquer. Je vais faire hop. Voilà. C'est bien. J'ai mal au... Où sont les droïdes? Ah, là, il y a des droïdes, regardez-là. Hop, vas-y, fight! Soigne-moi, Jackie. Soigne-moi. Allons. J'aurais dû avoir un autre Twi'lek comme partenaire. Comme ça, on aurait dit que c'était les Schtroumpfs. Bon, tant pis, hein, on va dire tant pis pour la quête secondaire, Osef. Pourquoi j'ai une carte spéciale, moi? Oui, ben, je sais que j'ai pas de vaisseau, mais il me dit d'aller là-bas, moi. M'en fous. Je suis au courant. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. I know that. Allez, bats-toi. Allez, Jackie, on y va. Jackie, tu me suis toujours? Oui, il est loin. Allons-nous, fight. J'espère qu'il y a des droïdes. Ouais, il n'y aura tellement pas de droïdes. Mais il y a un marchand. Vous avez découvert la force. Voilà. Elle était là, la force. Et... Elle est cherchée. Hein. Oh, ça fait mal. Merci, Jackie. T'as pas honte de faire mal comme ça? Tiens, prends des coups. Tiens, prends des coups. Bon, j'en ai marre. Tiens, prends des coups. Vas-y. Décède. Oh putain, il y en a un deuxième. Ben, je récupère le crédit. Ah, on peut... Ouais. Et mon inventaire est plein. Ouais. J'ai de l'argent. Putain, mais j'aurais dû en prendre plus. Abruti. Non. Ben non. Non, ça. Ben non, mais si on est... Certes, elle est beaucoup plus belle, mais... Bon, bref. Passons. Donnez-moi de la thune. Oh, fait mal. Ils sont sensibles à la force, c'est con. Oh, j'ai mal. Tiens, prends des coups. Ne bougez pas, hein. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et après, on va faire. Bim. Pas mal. Bah, c'est comme ça. Oh putain, je m'éloigne. Je m'éloigne. Et 4 coups. 1, 2, 3, 4. Et bim. Tiens. Tu me soignes pas en fait, t'en as rien à foutre de moi. Je veux me voir crever, c'est tout. Bim. Qu'est-ce qu'il y a à faire là? Il y a un truc à faire ici, non? Les vestiges de la force. Tenez. Bim. Ow. Fait mal. Du coup, je vais te faire ça. Après, je vais te faire ça. Et puis, je vais faire ça aussi. Tiens, paf. J'espère que t'as mal. J'espère que tu souffres. Petite traclure de bini. Mon avant-plaire est toujours plein, mais je prends l'argent. Je peux avoir mon sabre laser maintenant? On peut arrêter les conneries, me donner un sabre et puis voilà quoi. Ah, où est-ce qu'on est? Mon dieu. Tu me suis, Jackie? C'est quoi ça? C'est de niveau 9, mais ça a pas l'air d'être. C'est un droïde. Oh là. Allez, hop. Et Jackie, t'es où?
Jackie, tu fais quoi? Jackie, tu m'expliques, t'as dit là? Attendez, coup comme ça. Oh là 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 là. Bon bah de la merde, hein. Bon bah de la merde, hein. Jackie, qu'est-ce qui se passe-t-il, Jackie? T'es où? Jackie est en train de mourir? Ben, Jackie, il est où? Il était là? Tu m'emmerdes à la fin. Qu'est-ce que tu branlais? Oh non, j'ai décédé maintenant. J'ai décédé, fais pas le con, j'ai décédé, Jackie. Jackie, soigne-moi, je décède. Ah, merde. Jackie, je suis en train de mourir. Ah, je récupère un petit peu de vie. Merci, Jackie. C'est quoi, bienveillance? Ok. Il est où, le druide? Il est mort? Il est où? Ah, il est là. Salut. Ah, putain, mais tu meurs jamais, en fait. Attends, on va faire des trucs. Faire ça. Bim, 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 bim. Ensuite, faire ça. Ensuite, faire ça. Et évidemment, je vais faire ça en coup préféré. Et puis, je vais me barrer parce que... voilà. Il y a un moment, faut pas déconner. Il y a un moment, c'est pas glop. We don't need to déconner. Jackie. Tu parles, mais je te comprends pas. Franchement, c'est pas le meilleur partenaire. Hein. Paf! Eh merde, je prends des coups, là! Tiens! Bim, 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 bim. Prends les coups! Voilà. Encore! Ah non, j'ai décédé. Ah non, j'ai tellement décédé, je vais mourir. Jackie, je vais mourir. Jackie, c'est la mort. Jackie, c'est fini, là. Jackie, c'est fini. Viens, Jackie, on se barre, on se casse. On reste plus. On reste pas, Jackie. Aïe! Aïe! Ah là 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 là! 11e mort de la Mischtroumpfette, et en même temps, je l'avais un peu cherché. J'avoue que j'ai un tout petit peu cherché cette 11e mort. La Mischtroumpfette. Tiens, j'ai deux alertes sur mon stream. Apparemment, j'ai encore des drops de frame. La Mischtroumpfette est décédée. C'est terrible. Voir une Mischtroumpfette mourir comme ça, c'est terrible. Ah là 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 là. Et là, on doit attendre un peu moins de 10 secondes maintenant que je suis en train de le dire. À partir de maintenant, on va attendre 10 secondes. Je me prépare pour le deuxième round, évidemment. Il n'y en aura pas de deuxième round, j'ai envie de vous le dire. Une fois, pas deux. Quoique, en battant cette saloperie, on aurait pu gagner moult XP et paf, acquérir tant et tant de fights. Ça aurait été cool. Honnêtement, on aurait été vachement bien. Mais on va pas faire ça. On va évidemment pas faire ça. On va suivre le chemin normal. À savoir que on va rentrer dans ce temple à la con. Oh, une pierre, non? Je comprends pas ce que tu dis, mec. C'est saoulant, je te comprends pas. C'est dur de travailler avec quelqu'un, tu comprends pas ce qu'il te dit, c'est compliqué là. Tiens, prends des coups. Oh, je me casse. Tiens, prends des coups. Moi aussi, je peux le faire, regarde. Hop. 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 C'est tout. Tiens, prends des coups. Pas mal, hein. Enfin, moi aussi. Ah, il faut que j'en batte. Faut que j'en batte 5. Ça va aller vite. Soulevé de force. Oh. Hein. Fais-moi le malin maintenant. Tiens, prends des coups.
Oula, 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 je sais pas ce qu'il veut faire là. Tiens, t'as mal. Tu souffres intérieurement. Alors, par contre, Kizen, c'est son nom, hein. Wazen, pas triclope, hein. Vous êtes pas beaucoup. Je trouvais que t'étais censé me healer. Je heal pas du tout. Tiens. Moi je peux faire ça moi. Ah là 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 là. Et mon inventaire est toujours plein et j'ai pas encore atteint les 5000 crédits. Oh, je peux soulever cette saloperie. Hop! Vas-y, fight-le! Allez, fight! Allez, bat-le! Mais qu'est-ce que tu branles? Voilà. Apparemment c'est par là et c'est le dernier. Après c'est tout. Génial, un labyrinthe. Dors, il a... Oh, tiens voilà. Prends des coups. Est-ce que tu acceptes que je te soulève? Est-ce que tu acceptes que je te soulève? Non, pas encore. Est-ce que maintenant tu acceptes que je te soulève? Ah là 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 là. Et juste après, j'enchaîne là-dessus. Ah là 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 là. Oh oui, du loot. C'est par là. Stop, chercheuse. Vous arrivez ici non purifié. Merde. Une insulte à la mémoire de Rajivari. Je t'emmerde, ouais. De Rajivari. J'ai pris une douche, moi, ce matin, contrairement à toi. Mais ils ont traversé le feu et sont nés une seconde fois. Et toi, Mais on comprend pas. On comprend pas ce que tu dis. Et je veux pas être avec toi. Le service personnel peut montrer votre force et votre volonté, chercheuse. Voulez-vous être purifié par le feu? Oui, je suis déterminé. De temps en temps, j'ai des fulgurances et j'arrive à lire mon écran. Et vous montrez ma force. Bien. Des paroles courageuses. Mais le sacrifice personnel est la voie de la folie. Le puits de Rajivari n'est pas accueillant avec les étrangers. Fuyez ou souffrez. Ballot. Aïe, ça fait mal. Merci. Et il faut aller où maintenant? Oh, j'ai pris des coups. Vous? Alors vous? Vous avez réussi finalement? Bah oui. J'espérais que votre tête servirait de trophée à Nalon à l'heure qu'il est. Je suis venu ici pour prouver ma valeur. Et à Nalon. Mais les pièces... Bah c'est raté. Peu importe. Vous êtes une ennemie. Si je peux encore tenir une lame, je peux vous frapper en plein cœur. Mais mec, tu peux plus là. Là, t'es comme qui dirait légèrement décédé. On ne peut ignorer la souffrance d'aucun être vivant. La voix immense crée une spirale destructrice. C'est la voix. Vous n'avez rien à faire ici. Votre ignorance vous dévorera. Mais. Chaque chose en fait. Ah, tu t'en vite. Mais qu'est-ce qu'ils ont à tout disparaître comme ça? Oh là 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 là. Bon, c'est bon, tu t'en es remis là? Parce qu'il est grand temps d'y aller maintenant. Allons-y. Explorons ce puits. Et pourquoi je suis ralenti?
dites pas que c'est le coup de l'autre cours là qui m'a ralenti et tout. Hein. Je ne apprécie pas ça, moi. Il est tombé. Il est tombé. Saloperie. Attendez, je vais faire de la méditation. Peut-être que ça va me libérer. Je médite intérieurement. Ça n'a pas l'air d'être efficace. Non. Je vais faire ça. Ce n'est pas plus efficace. Je suis ralenti, là. Regardez, c'est quoi ces conneries ? Bon, visiblement, le jeu a l'air de dire que c'est par là. Donc, je suis condamné... Visiblement, ça n'est pas par là. Alors, n'allons pas par là. Apparemment, c'est par là. Mais j'en reviens de là, moi. Fais chier, là. Visiblement, c'était ça. Fallait pas explorer la pièce, fallait juste taper là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a un truc Je ne mourrai pas sans me battre. Vous regardez. Une demi-heure est passée, vous regardez Star Wars The Old Republic et les aventures de la Schtroumpfette. La Schtroumpfette est morte. Elle est morte 11 fois, très exactement. C'est beaucoup quand même. Tiens, faut que je te parle, toi. Bien sûr. Voici l'autre. Quel autre ? Les chercheurs du savoir interdit ont toujours leur poursuite. Si tu es ici pour Nalon Ralok, il est venu et reparti. Les choses disparaissent si vite. Mais je suis toujours là, toujours le même homme, Rajivari. Choix numéro 1. Vous ne pouvez pas être vivant. Le conseil vous a abattu il y a des milliers d'années. Ton animal est... Mon animal. Quand mon corps m'a abandonné, c'est sympa. Les Jedi étaient toujours imparfaits. Ici, dans mon laboratoire, j'ai perfectionné certains dispositifs. Je pouvais donner à un apprenti des décennies d'expérience en un jour. Un apprenti digne de transmettre ma vision. C'est cool. Ah, pardon. Votre sagesse et votre savoir ont été préservés à travers vous et ces dispositifs que vous avez créés. C'est pas faux. De nouveaux acolytes. J'ai cru que Nalon Ralok était un candidat convenable. Mais quelle déception. Alors, s'est engouffré dans les pièges plutôt que de les éviter. Il a beaucoup souffert. Bah, je m'en doute. Toi au moins, tu as survécu sans que ton esprit n'en souffre, contrairement à Nalon, hélas. Moi aussi, il est con, lui. C'est un cousin. On se connaît pas vraiment, en fait. Je sais que les connaissances qu'il rassemblait lui torturaient déjà l'esprit. Je me suis trompé. L'esprit de Nalon n'était pas à la hauteur de la sagesse qu'il exigeait. J'en ai trouvé un successeur. C'est pas l'eau. Un monstre. Comment ça, t'en as fait un monstre ? Il ne fera pas renaître les Jedi. Il veut les détruire, ainsi que toute cette planète. À commencer par la Forge, où sont fabriqués les sabres. Salut, tu viens de quelle ville en Afrique ? Mais je ne viens pas d'Afrique. Je ne suis pas... Je suis dans le nord de la France. Eh oui. Le nord de la France. Je suis un ch'ti. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Rassure-toi, je ne t'en veux pas. Un procédé simple pour en faire un sabre
En tout cas, bienvenue sur ce stream, bienvenue sur ce chat et profite du spectacle. Profite des morts de la Schtroumpfette qui vont certainement s'enchaîner à l'infini. Merci pour vos conseils, Maître Rajivari. Traverse les grottes. Tu trouveras la forge au sommet de la montagne. Arrête Nalon, cette abomination que mon savoir a créée. Bon, on peut arrêter de discuter et... Est-ce qu'on peut arrêter de parler ? Voilà, on y va. Arrête Nalon avant qu'il ne détruise l'ordre Jedi. Ouais, donne-moi un sabre aussi. Un sabre laser, j'en veux un. Tu me donnes un sabre ? Non ? Oh merde. Pas touché. Bon bah allons-y. Je choisis ça. Je sais pas ce que c'est, je suis une réserve, tant pis. 1, 2, voilà, ok. Bon bah visiblement, ça n'est pas par là. Ça n'est pas grave. Où est-ce qu'il faut aller ? Vers Titon. Ah là 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 là. 3. Obtenir. Oh oui, je vais obtenir un sabre laser. Cool. 4. Bon bah barrons-nous hein. Ah bah barrons-nous mais genre en 4ème vitesse. Allons par là. Non, bah non. N'allons pas par là, ne faisons pas ça. On va faire le chemin normal. On va sortir de ce temple à la con. On va aller vers la forge. On va récupérer le sabre laser. On va faire les quêtes secondaires de Titon. Et tout va très bien se passer. Ah là là là. Il est fort probable que la Schtroumpfette décède encore. Hein. On en est à 11 morts. Bon, je vais pas les afficher parce que bon, ça sert à rien. L'interface est déjà bien surchargée comme ça. Ça, je peux les battre. Ça je sens que je peux les battre. Ça, ils sont à moi. Ça. Ah non, non, vous êtes nombreux. Ah là là, vous êtes nombreux. Vous êtes très nombreux. Ah mais j'ai fait ça en fait, pour ça. Alors attendez. Hop. 2. 3 et 4. Ça marche bien ça. Bon apparemment c'est par là. Là. Boum. 1. Je vais recommencer ça. 1. 2. 3. 4. Voilà. J'ai mal, c'est les coups. Tiens, prends ça toi. Mais arrête de me parler, Jackie, de toute façon je ne te comprends pas moi. Voilà. Et je crois qu'il y a un boss là. 3, 4. Pas mal. Peux-tu bien mourir s'il te plaît et donner du crédit. Voilà, comme ça je peux l'occuper un petit peu plus. Ah. Mon inventaire est plein. My bad. Ce n'est pas grave. Mais je croyais qu'il y avait un boss là à la base. On va vers la forge là, non? On va vers la forge. Et pendant ce temps, on va suivre ce chevalier Jedi car je reconnais le droïde qui nous accompagne. Viens avec nous. C'est par là la forge. C'est par là. Hein. C'est par là. Ah là 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 là. Allez, lâche ton fesse. Qu'on fait de niveau 9, hein. Niveau de compète à la Schtroumpfette. Bon, peut-être niveau 9, mais alors pour pouvoir battre un robot droïde, un
un genre de robot chiotte. Ça met quand même 4 plombs. Tiens, prends les coups. Allez, attendez. Ah non, non, qu'est-ce que je veux faire? Voilà, je veux faire ça, moi. Prenez les coups. 1, 2, 3, 4. Pas mal. J'ai senti ta souffrance. Oui, je récupère. Je récupère du pognon. Le pognon, c'est important. Oh, un droïde. Un robot chiotte. Prends des coups. Tiens, pas ce que je fais, mais tiens. Voilà. Oh, t'as mal. J'ai senti que t'avais mal. J'ai mal aussi. Ah bah non, mais oui, on a d'abord tiré par lui. Autant pour moi. On va avoir notre sabre, les amis. On va l'avoir, ce sabre. Ensuite, on va défoncer. Évidemment, du droïde à l'infini. Mais je veux un Padawan, moi. Deux, trois, quatre. Voilà, meurs. Décède un tout petit peu, s'il te plaît, voilà. Du crédit, c'est ce qu'il me faut. Paf, 2, 3, 4. Attendez, il fait ça. Boum. T'as mal, hein? T'as mal, voilà. Boum, t'as mal. L'inventaire est plein. À nouveau. Je n'aurais pas battu assez de trucs. Voilà, il faut récupérer les cristaux Kyber, non? Il faut récupérer le cristal. Ah, je vais avoir un sabre vert, ça veut dire. Ouais! Oui! Quoi? C'est quoi cette merde? C'est quoi ce plan? Vaincre le truc noir. On fera ça. Pour le moment, si on fait rien, c'est tout là. Tiens, attaque à distance. Non mais attaque à distance. Oh là, aïe 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 aïe. Oh là là. Aïe 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 aïe. C'est dommage ça. Aïe. Yes. J'ai mal. Je souffre. J'ai mal à mon moi. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Aïe. Tiens. Aïe. Oh là, j'ai décédé. Je vais mourir bientôt. Non. Je vais mourir. J'ai décédé bientôt là. Ah non. Arrête de me suivre. Et eh ben le... Bah, non, non, pas par là. Ah non. Je vais encore mourir. Ah non, non. Oh non. Ah non, merde. J'étais tellement content. J'étais tellement bon. Ah là 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 là. J'étais tellement bon. Il était à mi-chemin. Il n'y avait que 50% de sa life. On était bien. Bon. On recommence. Il faut qu'on bute cette espèce de truc sans nom là. Je sais pas son nom. Je sais pas. Comment tu t'appelles en fait? Qui es-tu? Qui es-tu, monstre? Attends. Méditons. Est-ce qu'on peut pas compter sur Jackie pour me soigner? Ah si, je me soigne quand même. Cool. Bon.
Que des attaques à distance. Merde. Non, ne fuis pas. Ne viens pas me trouver, je veux pas de toi. Je ne veux pas de toi. Casse-toi. Par toi, je trouve fête. Va-t'en. Demi-tour. En arrière, en avant. Des coups. Et on se casse. La fuite. La stratégie la plus payante. Tiens, prends des coups. Mais il sert à rien. Il sert à rien, lui. Lui, il sert à rien. Tu sers tellement à rien, mec. Tiens, prends des coups. Voilà. Et je vais faire ça aussi, tiens. Voilà. Hop, 1, 2, 3, 4. Ça fait mal. Ça fait rien. Ça fait rien. Pourquoi ça fait rien? Mais tu vas décéder. Tu vas mourir à un moment. Tu prévois de mourir? C'est bien. Attendez, je vais me débarrasser de trois trucs déjà. Débarrassons-nous de ça. Oui. Oh, ça moule bien. On va prendre. Nous allons nous débarrasser de ça. Oh oui. Oh, il y a une caisse de niveau 18. Voilà qui est intéressant. Et il y a des bottes. Mais c'est à chier. Débarrassons-nous de ça. Oui. Bon. C'est pas mal. Et on va évidemment récupérer ça. Et on va aussi récupérer notre loot. Ce qu'on a gagné, nous. Hop, voilà. Et du coup, qu'est-ce que je viens de gagner? C'est de niveau 20, mais en vrai, c'est de la merde. Non, mais vous foutez de ma gueule. Wesh, tu m'as pris pour un... Bah alors là, je n'ai pas gagné beaucoup. Mais j'ai récupéré un cristal. Et du coup, je peux plus en récupérer d'autres. Une arnaque. Bon bah allons-y. C'est par où la vie? Par là? Elle est où la suite de l'aventure? Attendez, je dois vous affronter, je crois. 1, 2, 3, 4. Ah oui. Oh oui! Niveau 10. Ça fait plaisir. Où est-ce qu'il faut aller? L'emplacement actuel, vers l'ancienne forge. Allons vers l'ancienne forge. Bim. On s'en va par là. Allons par là. 1, 2, 3, 4. C'est de la merde. Quoi? C'est vraiment le moment pour aller lire le dictaticiel. Il fallait faire ça. En plein fight. Oh, un os. Oh, génial. J'ai récupéré quoi? Rien. Ah, j'ai mal au crâne. Ça va être long. Ça va être très très long. Bon, tu sers à rien. T'es aussi inutile que moi, alors. Ça se la raconte. Ça se la raconte avec des années d'expérience et tout, mais c'est tellement nul en fait. C'est tellement weak. J'ai des centaines d'années d'expérience. Je suis un guerrier aguerri. Mais je suis niveau 2. Alors bon, c'est un peu de la merde quoi. J'ai déjà plein. I got a. J'ai déjà un inventaire ultra plein. Bon, on va se débarrasser de ça. Oui. Et ça aussi. C'est quoi ces conneries? Voilà, oui. Ah, par contre, je vais mettre ça. Parce que c'est plus beau, lui. Je vais prendre ça. Je sais pas ce que c'est. Ça se revend. Ouais, c'est pour la revente.
Tiens, prends des coups. Ah bien, attendez, vous, vous êtes nombreux, alors faisons ça. 1, 2, 3 et 4, moins 1. Je suis niveau 10 maintenant. Faut pas me la faire à moi. I am level 10. Et un droïde qui fait caca. Pourquoi ce droïde fait caca? Tiens, prends des coups. 1, 2, 3, 4. Je veux un padawan. Mais prends des coups. Mais prends des coups. Tiens, voilà. Génial. Tout ça pour de la revente. C'est génial. Et ça, c'est quoi en fait? Je ne sais pas. Non! Mais pas. Ah oui, c'est ça, là, l'ancienne forge. Après, on rentre, on met le cristal, on met la poignée, et paf, on a notre sabre. Et puis, il y a un fight. Parce qu'il faut bien un combat, hein, sinon, c'est pas assez. Ah, j'ai 10 minutes pour y arriver. Comme ça, on va commencer la prochaine demi-heure sur la cinématique. Ça va être bien. Vous êtes deux spectateurs, me dit-on. Vous êtes nombreux. J'ai jamais eu autant de spectateurs de toute ma vie. Alors n'hésitez pas à donner vos impressions. C'est important. Et n'hésitez pas aussi à dire que le stream lag de ouf. Je suis déjà au courant en fait. Alors pourquoi le stream lag? Eh bien le stream lag parce que j'ai changé ma carte graphique. Et je ne l'ai pas encore setup avec Streamlab, d'où les gigalabs qu'on se tape. Voilà, tout simplement. Hop, choix numéro 1, je ne sais pas lire. Ça demandera beaucoup de concentration. Si tu pouvais surveiller mes arrières. C'est terrible. Allez, fabrique ton sabre. I want a new saber. C'est parti. Un cristaux vert. Oh putain, je vais avoir un sabre vert, ça va être fou ça. Ça va être ouf, un sabre laser vert. Le premier sabre que j'ai eu, c'était un sabre jaune. Maintenant, il est mauve noir. Bim. Ensuite, bim, ensuite, bim. Ensuite, tac. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on fait un sabre. Sortons de cette forge. Oh. Qui c'est que ces conneries? Il vient pour voler mon sabre. Raclure. Tu ne voleras pas mon sabre laser. Ah oui, merde. Bah, peut-être que si, en fait. Attendez. Ça. Bon débarras. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais me battre avec un sabre laser et pas avec de la merde. Attends, tu peux faire ça? Moi, je vais le faire aussi alors. Wouhou! Ouais. Mais avant ça, petite phase de tuto. Voilà, voilà. Bon, ça, c'est pour expliquer qu'en gros, on peut changer la couleur du sabre, on peut changer ses composants.
Parlons à ce gars-là. C'est salut, cousin. Que ce soit vous qui ayez le dernier sabre laser que cette forge aura fabriqué. Regardez un peu. Un nouveau Jedi à saluer et respecter qui ne fait rien pour empêcher les déchiqueteurs de ravager notre village. Mais alors, on va faire des trucs. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Je connais les secrets de Rajivari. Les horreurs dont les Jedi, ce Jedi, sont responsables. Ça lag à fond, hein. Seul peut nous protéger. Nous, nous. Je le vois sur le retour de stream. Ça lag de ouf. Et je ne suis pas... Voilà. Votre pouvoir vous détruit. Mais il n'est pas trop tard. Arrête tes conneries, cousin. Nalun, elle a été juste avec nous. Ouais. J'arrête pas de dire que les Jedi sont nos ennemis, mais c'est fou. Elle a raison. J'ai été vachement juste. J'ai fait tout ça pour vous. Si vous êtes incapable de voir le danger, je... Bande de sac à merde. Écoutez votre peuple. Ce n'est pas ce qu'il veut. Ils comprendront quand vous serez morte. Spredoud. Finissons-en. Mais tu sais que j'ai un sabre laser maintenant, moi. Donc du coup, je vais t'en mettre plein, là. Tiens, prends ça, prends ça, prends ça. Ah, t'as mal. Non, en fait, ça fait rien, en fait. Tiens, je vais te soulever. Tiens, je te soulève. Et l'autre, bah, il branle rien pendant ce temps. Il est là, il attend. Mais tu vas le battre? Et tu vas faire des trucs, oui? Petit con, là. Là, je lui ai rien fait du tout. Prends des coups! Ah, bah tant pis. Ça fait mal, hein? Attends, je vais évidemment. Je vais faire ça. Et je vais faire ça aussi. Voilà. Paf! 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 Et voilà. Je t'ai mis le coup de grâce. J'avais oublié l'odeur de propre sang. Je me rends. Oui! Une drôle d'odeur. Tu as Nalun Ralok? Ouais! S'il vous plaît, vous n'allez pas le tuer? Mais bien sûr que si! C'est une raclure! Il doit mourir! Non, cette décision ne m'appartient pas. Je dois d'abord consulter le conseil. Mais il nous quitte malgré tout. Le village a besoin de l'aide de Nalun. Comment allons-nous faire? Sur mon idée. Vous pouvez compter sur... Quoi? Si vous avez besoin de moi, je ferai tout mon possible. Merci. Il désapprouve. Vous ne l'oubliez. Je t'emmerde, c'est nous tout. Nous pouvons emmener Nalun au temple. Il fait toujours partie des nôtres. Oui, bien sûr. Voilà, c'était un bon combat. Maintenant, tu te casses. Et on me refile un padawan et tu t'es. Je veux plus t'entendre. Filez-moi des padawans. Peut-être pas, mais ce n'est que le commencement, pas la fin. Le quoi? La messagère de la gardienne des points? Qu'est-ce que c'est? Que l'émotion, tout ça. Ah, on a perdu un spectateur. Terrible. Ah ouais, mais de temps en temps, je suis obligé de me taire. Hein. Je reprends mon souffle. Là. Voilà. Toujours le choix numéro 1. Si tu crois vraiment que je suis cette messagère, je ferai de mon mieux pour être à la hauteur. Par contre, tu prends un sabre laser. Hein. Moi, j'accepte que les Jedi ou les Palawan. Mon dieu. C'est tout? On rentre sur Titon? On se casse? Moi, je vais prendre des coups, moi. Non, faut aller vers l'entrée de la... Faut aller où? C'est 3. J'arrive pas à lire. Ah putain, j'arrive pas à le lire.
Il faut aller au Conseil Jedi. Allons-y. 4. Voyage rapide. On va pas se retaper tous les combats non plus, hein. Et allez, c'est parti. Aussi bien fight, hein. Ah, chic. Je te veux, toi. Tu es mon ami. Je veux être avec toi. Non, tant pis. Est-ce qu'on peut me débarrasser du mec qui me suit? Je le connais pas et j'aime pas les stalks, moi. Je suis contre les stalkers. Et pourquoi tu m'as collé à un type pareil? Oh là là. On va aller retrouver Satil. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est là, faut aller là. Et là, on peut entrer. Hop! Profiter de ce moment. Bonjour, bonjour. Salut les gus. Nous t'attendions, Padawan. Tu connais déjà Maître Jarik. Voici Maître Satil Shan. Mais oui. C'est celle qu'on avait vue au début. Dans l'intro. J'ai soigné Nalon Ralok. Les pèlerins qui me l'ont amené m'ont parlé de votre combat. 3, 2, 1. Et voilà. Une demi-heure vient de passer, on se retrouve, on est sur Star Wars The Old Republic. En compagnie de la Stromfette, qui a son sabre laser vert. Et maintenant... Si j'avais pu, j'aurais opté pour une solution pacifique. La paix est l'idéal, Padawan. Mais il n'y a aucun mal à se défendre. On s'adresse au conseil des Jedi. Et puis voilà. C'est Padawan. Le puits de Rajivari. Tu y es vraiment allé? Ouais. S'il te plaît, raconte-moi tout. C'était bien. Le Rajivari lui-même m'a parlé. Ce qui restait de lui. Tu as vu une apparition de force de Rajivari? C'est ouais. Extraordinaire. Il semble que vous ça fait peur. Yuan. Vous présente mes excuses. C'est pas grave. À vous et à votre Padawan. J'accepte tes excuses. Padawan. Elle porte un sabre laser et a fait ses preuves. Je n'ai plus qu'une question à lui poser pour que sa formation soit complète. En ce moment, Nalon Ralok sera il y a des bruits de chien. Il y a un chien. Il sera rétabli. Que devons-nous faire de lui? La voix de la paix. Nalon a prouvé que la force est puissante en lui. Il a peut-être un avenir avec nous. Et cela pourrait nous réconcilier avec... Mais j'en ai rien à foutre que Jakim me désapprouve. Moi, je veux une Padawan. À devenir un Jedi. Ouais. Yuan, si vous voulez bien. Refilez-moi un Padawan. Devant ce conseil, je te retire le titre de Padawan. Ah merde. Je fais de toi un Jedi de notre ordre. Honore le passé. Œuvre pour l'avenir. Ça y est, c'est bon. Soit avec toi, elle est Jedi. Tu as été si brillante, mon élève. Merci. Je suis Maître Yuan. Triste. Ah merde. On la perd. Yuan, vous m'entendez? T'as gâché ma fête, là. C'était ma fête à moi. Yuan se repose confortablement pour l'instant. Cool. Il semblerait qu'elle souffre d'une sorte de maladie. Ah, et on va lui chercher un remède. Son état est grave. Elle va mourir. Est-ce que Maître Yuan... Oui, entre trois purées de pixels, j'arrive parfois à lire des trucs. Vous saviez que Yuan était malade et n'avait rien dit? Non. Ah, lui. Mais...
Et personne te comprend. Je comprends pourquoi elle s'impliquait tant dans ma formation. Yuan va être emmené sur Coruscant. Nos chercheurs y ont découvert des artefacts du premier temple Jedi. On y va alors. Ils pourront peut-être la soigner. Prends une navette et rejoins Yuan sur Coruscant. Elle aura besoin de ton aide. On va aller sur Coruscant. On va aller sur Coruscant, les amis. Je ferai tout ce que je peux pour qu'elle guérisse. L'aura Zamal Flix tout l'amour. En parallèle, assure-toi que Yuan étudie tes découvertes sur Rajivari. Certaines déclarations qu'ont enregistrées ses apprentis méritent investigation. Sur Coruscant, rends-toi à notre ambassade dans la tour du Sénat et y trouve un chercheur du nom d'Atrosphine. Il t'attendra. Bonne chance. On va avoir notre vaisseau, les amis. Que la force soit avec vous. On va avoir la navette, on va avoir le vaisseau. Mais il me faut un padawan. Parce que cette raclure, ça va pas être possible. Voilà. Voilà, voilà. Et je débloque moult succès. Alors, allons-y. Oui, oui, c'est bien, c'est gentil. Voilà, allons-y. Allons-y, disais-je. Allons dans notre vaisseau. C'est où le vaisseau d'ailleurs? C'est toi? Il est là le vaisseau? Attendez, c'est censé être là? Merde. Ça n'est pas par là. Allons dans notre vaisseau. J'en ai marre. Ah oui, je me souviens. I remember. Attendez, faut que je fasse un truc. Faut que je lise ça. Je lis. Entrez dans le codec. Voilà, c'est bon. Allez, suis-moi. Je trouve paresseux. C'est par là. Non. C'est pas par là du tout. Il y a un vaisseau là-bas? Non. Merde, c'est trompé. C'est tellement grand. C'est pas par là du tout. Mauvaise direction. Ouais, mais attends, avant, il faut que je parle à Jackie. Il faut que je parle au maître Welch. Maître Welch, apprends des trucs. Un Jedi cherche à s'améliorer. Ouais, ouais, ouais. Que la force soit avec vous. Merci. C'est par là. Non, je crois que j'ai déjà eu ce totem. Ah bah tant pis. Donc ça n'est pas par là. Moi, je prends n'importe quel droïde et ça devient mon pote, ça devient mon srab. Et je me débarrasse de l'autre parce que l'autre, je l'aime pas. Clairement, l'autre, je le déteste. Tu n'es pas un ami. Il me faut un partenaire particulier. Allons-y. Allons dans la flotte de la République. Eh mais c'est pas mon vaisseau. C'est une arnaque, ça n'est pas mon vaisseau. I want my vaisseau. Oh là. Oh, c'est au quart, quand il n'y avait pas le son. Il n'y a pas eu de son. Vive le Quarness. C'est juste une navette, ça. Je s'en fous. Soyez courtois auprès des groupes. Soyez courtois. Eh bien, nous allons profiter de ce moment de courtoisie, justement. Et je vais mettre la schtroumpfette en mode de danse. Comme ça. Je vais mettre la schtroumpfette en mode danse. Voilà. Donc, la schtroumpfette danse. Et... pendant un bref instant, juste le temps pour moi de me sustenter, je vais prendre un paquet de chips, grosso modo, je vais vous mettre en full screen. Et surtout, vous n'hésitez pas, si vous êtes sur le chat, à spammer à fond. Je reviens tout de suite.